Bonjour Luc. Bonjour Mehdi. Nous continuons la parabole du semeur, je pense. Oui, mais aujourd'hui, on va en voir plutôt les difficultés. On a vu la fois dernière, c'est la mère des paraboles. Oui. La première qui parle du royaume de Dieu, première d'une série. Et aujourd'hui, les difficultés de toute parabole. Parce qu'elles sont dans cette parabole-là, qui pourtant n'est pas la plus compliquée. C'est vrai que quand on parle des richesses injustes, c'est plus compliqué, puisque Jésus semble faire l'éloge d'un homme qui a trompé son patron. Oui, c'est ce qu'on pourrait croire. Donc c'est difficile pour la morale. C'est difficile pour la morale. Donc ça, c'est une difficulté. Parfois, la parabole va venir mettre une épine dans le pied, quoi. Mais on va la relire, avant de parler des difficultés. Marc 4, hein. Écoutez un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Donc Jésus introduit cette parabole par le simple verbe écouter. Écoutez. Et là, ce n'est pas de quatre terrains différents. Il parle de quatre terrains différents. Et puis il conclut la parabole. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut saisir, qu'il faut entendre, au-delà de ce qu'on entend. Parfois on dit, une personne parle, le ton de sa voix a autant d'importance que ce qu'elle dit. Donc ce qu'on entend de la parabole, il y a quelque chose d'autre à entendre en surimpression. Alors, une parabole, on a vu la fois dernière, celle-là, c'est la mère de toutes les paraboles. Oui. Maintenant, elle recèle des difficultés. C'est-à-dire ? Toute parabole a des difficultés. Recèle des difficultés, soit parce que ça dépasse le sens commun, c'est normal, c'est le royaume de Dieu qui fait irruption dans le royaume terrestre. Donc, il y a un choc, il y a une confrontation. Oui. Et les paraboles, surtout les paraboles du rejet, et puis les paraboles du retour, parlent de cette confrontation. Mais là, on va dire, c'est l'objet de la parabole. Mais même dans le texte en lui-même, celle-là, par exemple, elle parle de l'amour. Premier commandement, c'est aimer Dieu. Et cet amour se manifeste par une écoute. Écoutez. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Donc, la première manière d'aimer Dieu, c'est d'écouter et recevoir la parole avec compréhension et foi. Et la fille de cette parabole, c'est une qu'on a déjà vue, c'est celle de la lampe, c'est-à-dire l'amour du prochain, qui ne lui cache rien du mystère de Dieu. Donc ça, c'est la question de l'amour. Maintenant, même si j'ai bien compris la parabole, bon, c'est pas trop dur à comprendre, on verra dans la prochaine émission, c'est Jésus lui-même qui donne l'explication. Donc, de ce point de vue-là, cette parabole n'est pas difficile. Parce que Jésus a tout décodé. Oui. Mais tout décodé, ce qu'il voulait décoder. Oui. C'est-à-dire les quatre terrains. Oui. Mais il y a des choses que Jésus a laissées dans l'ombre. Et une façon maladroite d'interpréter les paraboles, c'est de chercher une correspondance un pour un. Je donne un exemple. Premier terrain. Les oiseaux. C'est un pluriel. Oui. Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangeaient. Donc quelqu'un qui veut faire du mot à mot, de l'explication un à un, va dire les oiseaux. Alors le merle, qu'est-ce qu'il fait? Le moineau, qu'est-ce qu'il fait? Le perroquet, qu'est-ce qu'il fait? Et il va énumérer comme ça tous les oiseaux. Oui.
Est-ce qu'il y a trois oiseaux, cinq oiseaux, dix oiseaux? Est-ce que c'est comme dans le film de Hitchcock? Est-ce que c'est une horde d'oiseaux qui viennent? Et en fait, quand Jésus va donner l'explication, il va dire le malin, Satan, le diable. Donc ce qui dans la parabole est donné par un pluriel, dans l'explication, c'est un singulier. Parce que, comme on dit, ce n'est pas intuitif. Mais pourquoi pluriel, mais après ça devient singulier? Ben justement, parce que Jésus ne veut pas qu'on décode mot à mot. D'accord. C'est pas comme les jeux d'été sur la plage. Je remplace les A par un triangle, je remplace les B par un cercle, je remplace les C par un carré, je remplace les D par un carré plein, etc. etc. Et après, retrouvez-moi le texte que j'ai mis. Ça s'appelle décoder un à un. Ici, il y a une pensée. Les oiseaux sont venus, ils ont mangé. Et peut-être un prédicateur, quand il va dire cette parabole, d'ailleurs, il va dire, ben oui, les oiseaux, ça peut être le temps que je passe devant la télé. Les oiseaux, ça peut être tous les amis qui, le lundi, me disent, qu'est-ce que tu as fait hier? Oh, ben, j'étais dans l'église. Non, t'as pas fait ça, t'as pas été dans une secte quand même. Tu ne vas pas croire à des choses comme ça. Voilà. Et peut-être qu'en tant que prédicateur, j'annonce l'évangile, je vais me servir de l'image de Jésus, les oiseaux, et leur donner toutes sortes de significations. C'est pas faux, pas faux. Mais Jésus dit derrière tout ça, ne te trompe pas, il y a le diable. C'est le diable qui manœuvre pour empêcher quelqu'un de recevoir la parole. Donc l'explication un pour un ne fonctionne pas, et c'est une erreur de vouloir interpréter les paraboles de cette manière-là. Il ne s'agit pas d'un codage mathématique, il s'agit d'une pensée que Dieu nous donne sous une forme illustrée, pour après nous amener à une vérité céleste, vérité du royaume de Dieu. La semence a pour vocation de produire du fruit dans un être humain. Voilà le sens ultime. Mais il y a toutes sortes d'obstacles, d'où les trois premiers terrains. Alors, une autre difficulté, si on veut, c'est de vouloir donner un sens à ce que Jésus n'a pas donné. La dernière fois, on a dit le semeur. Jésus estimait qu'il n'était pas nécessaire de dire qui est le semeur. Mais souvent, quand on introduit cette parabole, et moi j'ai entendu beaucoup de prédications, pourquoi le semeur perd son temps à semer le long du chemin? Si c'est un employé, son patron va lui enlever une partie de son salaire. Pourquoi t'as gaspillé la semence, aller la mettre le long du chemin? Et pourquoi t'as été semé au milieu des cailloux? Ce dont ne parle pas la parabole. C'est du laboureur. Et pourtant, il y a beaucoup de textes dans les Écritures qui parlent du laboureur. Oui. Le laboureur, quand il sème, doit semer avec espérance. Donc, il faut d'abord labourer le terrain avant de semer. Donc, un semeur intelligent laboure d'abord la terre et ensuite sème. Donc, si c'est le long du chemin, s'il voit qu'il y a des cailloux, ou s'il voit qu'il y a des ronces dans le champ, il va d'abord enlever tout ça. Bien sûr. Et après, il va semer. Mais quand je dis ça, est-ce que je veux sous-entendre que Jésus serait un semeur non intelligent? En connaissant, non. Donc on voit qu'il y a un piège. Oui. On voit qu'il y a un piège. Et vouloir faire parler ainsi la parabole, Jésus ne l'a pas fait. Maintenant, je peux renverser ça, disant, Dieu a tellement d'amour que même s'il voit que je suis le long du chemin, même s'il voit que je suis encore un caillou mal dégrossi, même s'il voit qu'il y a encore plein d'épines dans mon cœur, eh ben, il veut quand même me parler. Oui, c'est qui est beau. Mais ce n'est pas dans la parabole. Vous voyez, ce n'est pas dans la parabole. Et c'est là qu'il faut accepter les limites d'une parabole.
Et dès qu'on sort de la limite, alors attention. Maintenant, un autre piège, c'est d'appliquer la parabole à autre chose que le royaume de Dieu. C'est-à-dire ? Bien, je peux prendre cette parabole et dire, je suis un commercial, j'ai un produit à vendre, le premier terrain, c'est les prospects qui ne deviendront jamais des clients. Le deuxième terrain, c'est les prospects qui sont intéressés par mon produit, mais ils n'ont pas assez de sous pour se l'acheter. Le troisième terrain, c'est mes prospects qui se laissent séduire par la concurrence. Et le quatrième terrain, comme je suis commercial, je vais dire bingo. Bingo, c'est ceux enfin qui achètent mon produit. Et il y a malheureusement des sectes qui ont fait ça. D'accord. Et on se sert des paraboles de la Bible pour justifier, en particulier des ventes pyramidales. Donc on applique une parabole du royaume de Dieu, où Jésus dit clairement, ça concerne le royaume de Dieu, et on le ramène terre à terre. Donc c'est vrai que la parabole part des images de la terre, mais elle veut nous amener vers le ciel. Elle veut nous amener vers l'amour de Dieu, elle veut nous amener vers ses commandements, elle veut nous amener vers ce qu'il aime voir en nous. Et c'est vraiment vénal, pour dire le mot vénal, de prendre une parabole, une parole que Jésus a dite, qui parle du royaume, qui parle du salut, qui parle de l'évangile, pour la ramener à des intérêts financiers. Donc c'est une autre façon, c'est une difficulté des paraboles. C'est qu'elles sont tellement bien faites, tellement bien dites, Jésus a tellement bien exprimé les choses, qu'on peut les détourner de leur visée, de leur but, leur royaume de Dieu. Et se dire finalement, ce Jésus, il est très intelligent, je vais me servir de ce qu'il a dit, comme d'un truc pour mon business, pour mes affaires, pour mes intérêts à moi. Mes profits. Et ça, c'est une des difficultés. On verra certaines paraboles problématiques. Elles sont problématiques parce qu'on veut les ramener dans le champ terrestre, alors qu'elles nous parlent du royaume de Dieu. Donc, les transformations qui vont se faire dans notre cœur, puisque Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Merci Luc pour toutes ces explications. Bonne semaine Luc. Merci de nous avoir écoutés, regardés. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.